Je m'appelle Colline, j'ai 27 ans et je suis chef de projet dans le pôle R&D d'une société spécialisée dans l'ingénierie aéronautique qui travaille pour différents clients, comme Airbus par exemple. Après un bac scientifique, j'ai intégré une école d'ingénieurs spécialité maths, informatique et data science. Aujourd'hui, j'anime, pilote et coordonne une équipe d'une vingtaine de personnes qui interviennent sur 7 projets d'intelligence artificielle. Concrètement, je travaille sur des projets en VNV, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la vérification et la validation des systèmes. L'objectif est de faire en sorte que le process soit un peu plus automatisé et amélioré. Quand on développe une fonction dans un avion, il faut qu'on la teste. Actuellement, les tests sont mis en place par l'homme. On veut savoir si une intelligence artificielle peut améliorer le test et même aller plus loin, tester une façon à laquelle l'homme n'aurait pas pensé. Par exemple, l'autopilote. Au début, le pilote va faire son décollage manuellement et ensuite, il va activer l'autopilote. Il faut s'assurer qu'il fonctionne bien. Notre but est donc de tester cette fonction. Pour cela, je dois communiquer les objectifs et les livrables à l'équipe, superviser les team leaders, définir les besoins et les moyens nécessaires pour réaliser le projet, apporter un soutien technique et fonctionnel à l'équipe et communiquer avec le client. Je pense contribuer à l'évolution de la société, même si ça reste à une petite échelle. L'objectif est de faire évoluer la VNV dans l'aéronautique. J'ai la chance de pouvoir ajouter des aspects d'éco-responsabilité dans ces projets de recherche. Ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il faut être créatif, dynamique, mais aussi aimer l'interaction. Le numérique, ça a été une vocation. Dès le lycée, j'ai été attirée par l'informatique et le développement de petites applications. La variabilité des sujets dans l'informatique est quelque chose qui me plaît. Ça peut toucher plein de domaines différents, comme le médical, le secteur bancaire ou encore le secteur agricole. Aujourd'hui, grâce à mon poste, j'ai progressé sur la partie communication. En tant que chef de projet, on interagit énormément avec les équipes, les clients, les partenaires. Il faut pas mal d'années pour bien maîtriser ce métier. Ensuite, on peut évoluer en passant directeur de projet, c'est-à-dire piloter plusieurs chefs de projet. Si j'avais un super pouvoir, j'aimerais bien pouvoir me cloner pour assister à plusieurs réunions en même temps. Les journées passent à 1000 à l'heure et j'ai l'impression d'avoir une liste d'actions qui augmente au fur et à mesure de la journée. Je conseillerais aux étudiants qui veulent devenir chefs de projet d'être organisés, curieux et motivés. Cela apporte de la positivité et il en faut en tant que chef de projet.